Bonjour à tous, c'est Vincent. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, c'est un grand jour puisque je vais vous montrer le jailbreak d'iOS 8.4 sur un iPhone 5S pour ma part. Et je vous montre comment faire. Déjà, téléchargez le logiciel, vous avez le lien dans la description. Ensuite, vous ouvrez votre iPhone, vous ouvrez l'application réglage, vous pouvez le faire en même temps que moi. Vous allez dans les réglages d'iCloud, puis vous désactivez, localisez mon iPhone. Bien évidemment, on vous demandera votre mot de passe puisque ce sont des réglages sensibles en cas de vol ou de perte. Ensuite, vous allez aller dans Touch ID et Code et vous allez désactiver le code ici tout en bas de l'écran. Voilà, vous désactivez et pour ma part, je vais continuer à utiliser le trousseau de clés iCloud. Une fois que c'est fait, on passe à la suite sur le Mac. Vous êtes maintenant sur votre Mac, vous avez téléchargé PP25, c'est très simple maintenant, vous allez cliquer sur Jailbreak, puis sur le bouton en bas à droite du logiciel, et là, la procédure de Jailbreak va se lancer, c'est ce qu'on attendait. N'oubliez pas, c'est par simple mesure de précaution, de faire une sauvegarde depuis iTunes de votre appareil, c'est au cas où il y aurait des bugs. D'ailleurs, en parlant de bugs, ne touchez pas votre appareil pendant la procédure, n'ouvrez pas d'application, tout ça. Ça risquerait, je dis pas que ça le fera, mais ça risquerait de créer certains bugs. Évitez de le faire tout simplement. Une fois que PP25 vous affiche ce petit logo là, ça veut dire que votre jailbreak est terminé. Vous avez maintenant Cydia après le redémarrage de votre appareil et je vous invite à faire à ouvrir Cydia tout de suite après et à attendre la fin de la préparation du système. C'est une étape normale, on va dire. À la suite, votre iPhone redémarrera encore une fois. Là encore, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, vous pourrez profiter de Cydia pleinement fonctionnel. N'oubliez pas de faire les mises à jour dès que possible. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.